vivante. Gloire soit rendue à Dieu. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, tu as bien fait d'être là. Amen. Je disais amen. Amen. Alors aujourd'hui c'est spécial. C'est vraiment la course à la montre. Il y a tellement de choses à faire, mais nous devons arrêter avant. Parce que ce soir, nous allons avoir la plus grande réunion de la Pentecôte. Et nous croyons au miracle. Amen. Qui croit au miracle? Amen. Je disais qui croit au miracle. Amen. Dire, dès qu'on dira amen ici, appelle tout le monde. Appelez de malades, invitez. Vous savez, il y a de cela, je crois que c'était le vendredi. Et j'étais dans une réunion. Alors, vous savez, on nous a présenté, il y a... C'était John Venice qui a prêché. Alors vous savez, il était en train de prêcher, il prophétisait. Et il y a eu un malade, quelqu'un qui avait la jambe complètement tordue. Il s'est arrêté, il a dit, les amis, il faut reconnaître chaque personne selon la grâce que Dieu lui a donnée. Il a dit, il m'a appelé, pasteur Fofi, viens prier pour cette dame. Et lui, il s'est retiré. Et elle portait des appareils. La puissance de Dieu est descendue. On a enlevé les appareils et la dame a marché. Parce que dans les choses de Dieu, dans les choses de Dieu, il faut savoir connaître comment Dieu travaille avec toi. Il ne faut pas t'hasarder. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et nous devons savoir que Dieu travaille. C'est comme il y a des dentistes, il y a des cardiologues. Il y a ceux qui s'occupent des yeux. Et c'est comme ça. Quand tu sais comment Dieu travaille, tu travailles selon ce que Dieu a mis en toi. Et nous croyons que ce soir, nous allons avoir une réunion incroyable. Nous allons célébrer la Pentecôte. Que des gens soient baptisés du Saint-Esprit et que les miracles se manifestent. Parce que amener le christianisme sans les miracles, c'est déduire la Bible. Et nous croyons que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Amen. Alors ce soir, dites ce soir. Ce soir. Dites encore ce soir. Ce soir. Invitez tous vos amis. C'est une réunion spéciale pour tout le monde. Il n'y a pas de limite d'église ou bien toute personne d'une autre église a la liberté de venir recevoir les dons. De Dieu n'est pas limité par les dénominations. C'est pourquoi nous allons directement passer à la parole. Ce matin, nous avons la joie. Je disais que ce matin, nous avons la joie. Mais avant tout, j'aimerais bien donner une seconde. Mon frère, vous savez, cet homme est très important pour moi. J'étais avec lui à Kiba. Et c'est lui qui se baladait avec nous. C'était puissant ce qu'il a vu. C'était formidable. Et on a mangé tout ensemble. Il est formidable. Hein? C'est un homme de Dieu, un homme d'affaires qui aime Dieu tellement. Et j'apprécie le travail qu'il fait pour Dieu. Lui, dans les affaires... Mais je peux vous dire que ses affaires, il est tellement fort dans les affaires, mais dans les affaires, il sert tellement Dieu que moi, j'étais bouleversé, j'étais impacté de voir un grand homme d'affaires, mais qui se dédie à servir Dieu à sa manière, et Dieu seul sait ce qu'il fait pour lui au ciel. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelques moments. Ah, bon matin. À tous, je ne suis pas un homme de pupitre. Moi, je travaille en arrière. Alléluia. Alors, c'est un grand privilège pour moi d'être ici ce matin. Je vais vous raconter un petit peu, pasteur Fofi, quand il est venu à Cuba avec nous autres, j'ai eu un temps mémorable. On a vu des choses incroyables. Je vais vous citer juste deux choses parce que j'ai pas beaucoup de temps. Une fois,
il prêchait à air libre. Il y avait environ 800 personnes. Et la pluie est arrivée. Vous imaginez tous les appareils de musique dehors, les haut-parleurs. Et puis le pasteur José qui dit, « Pasteur Fofi, on va arrêter. » Et pasteur Fofi dit, « Quoi? On va arrêter? » Il descend de l'estrade. À pluie. Pas de parapluie. À la pluie. Il dit, « Dieu va arrêter la pluie. » Il lève la main comme ça et la pluie s'est arrêtée. Il y a eu des miracles. Je me souviens d'une femme touchée sur un matelas, une jambe plus courte que l'autre. On avait posé les mains et la jambe allongée. Imaginez-vous. Incroyable. Je vous remercie tous pour votre pasteur. Priez pour lui. Et on l'invite à nouveau à Cuba. Il y a tellement de choses à faire là-bas. Amen. Le pasteur José et moi, on travaille depuis 20 ans ensemble. Quand j'arrivais là-bas, j'ai rencontré cet homme-là de Dieu avec une petite église de 15 personnes. Et c'était pas facile. La Russie venait de quitter Cuba et c'était pas facile. Je vous le dis, c'était pas facile. Et on a commencé à travailler avec lui. On a construit une petite église. L'ouragan a arraché le toit. Il pleurait, tout le monde pleurait. J'ai dit, « Pasteur, Dieu a enlevé le toit pour agrandir l'église. » Et effectivement, Dieu a agrandi l'église et l'église est pleine maintenant. Nous avons la joie ce matin d'avoir cet homme. Nous avons la joie d'avoir le pasteur José Marino ici. C'est un homme de Dieu. L'accueil qu'il m'a accordé à Cuba, c'était incroyable. J'ai prêché dans des coins où la foule attendait. Mon cœur était touché de voir comment il aime Dieu dans des conditions compliquées. Mais il fait un travail formidable. Et ce matin, nous avons l'honneur de l'avoir au milieu de nous. Pasteur, nous sommes très contents de t'accueillir. Vous, avec votre épouse, vous êtes très cher pour nous. Et nous croyons que bientôt, nous repartirons encore à Cuba. Non pas pour des vacances, non. Si tu veux venir avec moi au Cuba, ce n'est pas pour des vacances. Mais pour présenter Jésus dans toute sa puissance. Vous savez, nous devons faire la différence. Et ce matin, j'aimerais bien que tu prépares quelque chose pour soutenir le ministère de cet homme. C'est très important. Ce que toi, tu ne peux pas faire, Dieu va le faire au travers de lui. Et au ciel, tu seras surpris quand Dieu va te dire, grâce à ce que tu as semé, que l'évangile a été annoncé dans ces coins du monde. Aidez-moi rapidement, parce que nous avons beaucoup de choses à faire ce matin. Aidez-moi, acclamons le Seigneur pour cet homme de Dieu. Merci. Alléluia! 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 Cristo vive! Jésus vit! Gloria a Dios! Gloire à Dieu! Gloria a Dios! Gloire à Dieu! Gloria a Dios! Gloire à Dieu! Y a su nombre! Et à son nom! Y a su nombre! Et à son nom! Alabado sea Dios!
On adore le Seigneur. Aquí hay fuego de Dios. Et le feu de Dieu est ici. Aquí hay fuego de Dios. Le feu de Dieu est ici. Estoy lleno de Dios. Je suis rempli Estoy de Dieu. Lleno de Dios. Je suis rempli de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dios está aquí en esta mañana. Dieu est ici ce matin. Bien amados. Mes bien-aimés, el Señor les bendiga. Le Seigneur vous bénisse. Les saludo a todos. Et je vous salue à tous. En el nombre de nuestro gran Dios. Dans le nom de Jésus. Reciban un abrazo. Et recevez un câlin. Ustedes son mis hermanos. Parce que vous êtes mes frères. Tenemos un solo papá. Et on a un seul père. Somos la familia de Dios. On est la famille de Dieu. Somos los hijos de Dios. On est les fils de Dieu. En el cielo no hay excepción de personas. Et au ciel, il y a excepción de personas. Hay una sola familia. Il y a une seule famille. Y el Señor viene pronto a buscar a sus hijos. Et le Seigneur vient chercher ses enfants. Pueden sentarse. Vous pouvez vous asseoir. Para mí es una bendición en esta mañana. Pour moi, c'est une bénédiction ce poder matin. Estar en este lugar. De pouvoir être ici. Es una bendición haber conocido un hombre como Fofi. C'est une bénédiction d'avoir connu un homme comme pasteur Fofi. Es un hombre que tiene fuego de Dios. C'est un homme qui a la, le feu de Dieu. Fue a Cuba y dejó allí impactado el poder de Dios en el corazón de los pastores. Il a été à Cuba et il a laissé une empreinte dans les pasteurs. Y Dios lo usó poderosamente. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Y pasamos una semana gloriosa et con on él. A passé une semaine glorieuse avec lui. Y le estamos esperando otra vez. Et on l'attend encore. Y le estamos esperando a ustedes también. Et on vous attend vous aussi. La puerta se ha abierto en Cuba. Et les portes sont ouvertes à Cuba. Para poder predicar el evangelio. Pour pouvoir prêcher l'évangile. Yo doy gracias a Dios. Je donne gloire à Dieu. Por tanta cosa que Dios ha hecho en mi vida. Pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Hace más de 20 años. Ça fait plus de 20 ans. Conocí al hermano Clermont. Que j'ai connu au frère Clermont. En un momento difícil. Et dans un moment difficile. Pero el Señor nos ha bendecido. Le Seigneur nous a bénis. Cuando le somos fiel a Dios, quand on est fidèle à Dieu, nada importa en qué nación o en qué lugar estemos, n'importe quelle nation où on est, no hay pobreza, y a pas de pauvreté, porque el Señor bendice a los fieles, parce que le Seigneur bénit ses fidèles, y yo creo en la promesa de Dios, et je crois dans la promesse de y Dieu, y yo creo en la palabra de je Dios, je crois dans la parole de Dieu, y hubo tiempo que yo viví por fe, et il y a des moments où est-ce que j'ai vécu par la foi, creyéndole a Dios, j'ai cru en Dieu, y Dios tocando hombres y mujeres de diferentes lugares. Et il m'a dit que j'allais toucher des personnes de différentes places. Para ir a Cuba a bendecirnos. Qui allait avoir des personnes qui allaient venir nous bénir El momento à Cuba. Que para alimentarnos. Pour pouvoir nous, nous soutenir. Cuando llegaba la hora de la comida. Et quand arrivait la no la, teníamos nada. Quand arrivait le dîner, y on n'avait rien. Tres hijas pequeñas. Et moi j'avais trois enfants y petits. Y orábamos a Dios. Et on priait à Dieu. Y siempre Dios nos suplió. Et toujours Dieu nous a soutenus. Gracias a Dios, hoy tengo una congregación de más de 200 hermanos. Gloire à Dieu, maintenant j'ai une congrégation de plus de 200 personnes. Y sois. Aleluya. Y Dios me ha bendecido mucho. Et Dieu m'a béni beaucoup. Tengo el privilegio de pertenecer al Ejecutivo General de la Asamblea de Dios. J'ai le privilège de pouvoir être dans le conseil exécutif des assemblées de Dieu. La iglesia más grande en Cuba. L'église la plus grande à Cuba. Y en solo un distrito tenemos más de 300 iglesias. Et dans un district on a plus de 300 églises. Y en el mes de enero. Et au mois de janvier. Estuvimos nuestra conferencia. On a eu une conférence. Donde habían 800 pastores. Où est-ce qu'il y avait 800 pasteurs. Y fue de gran bendición. Et c'était merveilleux, beaucoup béni. Tengo tres lindas hijas. J'ai trois filles merveilleuses. Y dos nietas. Et j'ai deux. Y una linda esposa. J'ai deux petits-enfants et une Rebecca. Belle femme qui s'appelle Rebecca. Hace 37 años estamos unidos. Ça fait 37 ans qu'on est mariés. Y ha sido una bendición. Et ça a été une bénédiction. Reciban en esta mañana un caluroso saludo. Recevez un chaleureux accueil. De la iglesia en Cuba. De l'église de Cuba. Del comité ejecutivo de nuestro distrito. Du comité exécutif. De Saúl Rodríguez, quien ustedes conocen. De Saúl Rodríguez que vous connaissez. Y quiero entrar en la palabra de Dios. Et je vais rentrer dans la parole de Dieu. Creo que esta es una mañana hermosa. Je pense que ça va être une matinée glorieuse. Dios tiene algo especial para ti Dieu en esta a quelque mañana. Chose de spécial pour toi. Dios quiere bendecirte. Dieu veut te bénir. Dios quiere llenarte de tu gloria. Dieu veut te remplir de sa gloire. Alabado sea Dios. Gloire à Dieu. Le invito a buscar en su Biblia. J'aimerais qu'on puisse tourner.
Génesis capítulo 48. À Genèse 48. Versículo 4. Le verset 4. Genèse 48, verset 4. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Oramos. On va prier. Padre eterno y amado Dios, Père éternel, en esta mañana invocamos tu nombre, ce matin on invoque ton nom para darte gracias, pour te donner la gloire. Por esta mañana tan hermosa. Pour cette matinée tellement glorieuse. Gracias porque podemos disfrutar de tu presencia. Merci Seigneur parce qu'on peut. Gracias por tu palabra. On peut voir ta parole. Gracias por conocer un hombre como Fofi. Parce qu'on a connu un pasteur comme pasteur Fofi. Y su familia. Et sa famille. Gracias por esta congregación. Merci Seigneur pour cette congrégation. Ruego que esta sea una mañana de gloria. Je te prie que ce soit une matinée glorieuse. Que la presencia tuya. Que ta présence. Sea real en cada vida. Puisse être réelle dans chaque vie. Señor, que tu hagas milagros y maravillas en este día. Miracles, des miracles dans la en vie. El nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Te damos gracias. On te donne la gloire. Amén. Amen. El título en esta mañana. Ce matin, le titre du message. Y es una iglesia ardiente y dinámica. C'est une église en feu et dynamique. Dios me ha dado la bendición en esta mañana. Dieu m'a donné la bénédiction ce matin. De poder compartir la palabra con ustedes. De pouvoir prêcher l'évangile avec vous. Y desde que entré a este lugar. Et depuis que je suis rentré à ce siento lieu. La presencia de Dios. Je sens la présence de porque Dieu. Porque le estoy predicando una iglesia dinámica. Parce que je suis en train de prêcher à une église dynamique. Le estoy predicando una iglesia que tiene fuego de Dios. Une église qui a le feu pour Dieu. No es una iglesia que está muerta. C'est pas une église qui est morte. Pero tengo una palabra de Dios para ti en esta mañana. Mais j'ai une parole de Dieu pour toi. Y es que la iglesia primitiva. C'est que l'église primitive. Era una iglesia que crecía. C'est une église qui era grandissait. Una iglesia que se manifestaba el poder de Dios. Qu'on pouvait voir la, le pouvoir de Dieu. Porque buscaba a Dios. Parce qu'il cherchait Dieu. Y en este pasaje bíblico en esta mañana. Et dans ce passage biblique ce matin. Vemos cómo Dios se le apareció allí a José. On peut voir comment que le Seigneur est apparu à Élie à José. Cómo Dios vino sobre el padre de José. Quand il est venu sur le père de José. Allí a Jacob, que el Señor le cambió su nombre por Israel. Quand il a changé son nom à Israël. Y dice que el Dios omnipotente se le apareció en luz. Et il dit que le Seigneur lui a apparu en lumière. En la tierra de Canaán. Dans la terre de Canaán. Y le bendijo. Et il l'a béni. Y le dijo a su hijo. Et il l'a dit à son fils. Antes cuando llegó. Avant, quand il est arrivé, el Señor se le había aparecido. Le Seigneur lui avait déjà apparu. Y le dijo, yo te haré crecer. Et il a dit, je te multiplierai. Y te multiplicaré. Et je te rendrai fécond. Y eso es lo que quiero decirte en esta mañana, iglesia. Et c'est qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui, que l'Église. Dios omnipotente. Que le Dieu Tout-Puissant te hará crecer. Va te remplir. Te hará multiplicar. Va te faire grandir en et multiplier. Esta ciudad de Montreal. Dans cette ville de Montréal. Cada día con su presencia. Chaque jour avec sa présence. La iglesia primitiva crecía. L'Église primitive, elle grandissait. Porque tenía el poder de Dios. Parce qu'elle avait le pouvoir de Dieu. Porque en primer lugar. Parce qu'en premier. Se reunió un grupo de hermanos. Un petit groupe s'est réuni. A buscar la presencia de Dios. Chercher la volonté de Dieu et sa présence. Cuando el Señor Jesucristo. Quand le Seigneur Jésus-Christ. Fue al cielo. Est allé au ciel. Y le dio una orden a sus discípulos. Et lui a donné un ordre à ses que disciples. Que no se movieran de Jerusalén. Qui reste à Jérusalem. Hasta que no fueran investidos del poder de lo alto. Jusqu'à temps que la présence de Dieu puisse tomber sur eux. Y había un grupo que permanecieron fiel a Dios. Et ils ont été fidèles à Dieu. 120 personas. Et 120 personnes. Estaban buscando el poder de Dios. Cherchaient le pouvoir de Dieu. Y hasta que Dios no descendió con poder y fuego sobre ellos. Et jusqu'à temps que Dieu ne descende pas avec puissance sur eux. Ellos no se movieron del lugar. Ils n'ont pas été voir ailleurs. Así hace falta que la iglesia de Jesucristo. Alors l'église de Jésus-Christ. No se mueva.
ne peut pas aller ailleurs. Hasta que no reciba el poder jusqu'à temps de Dios. Qu'elle ne reçoive pas la puissance de Dieu. Y Dios está buscando esa iglesia. Et Dieu cherche cette église. Y esa iglesia eres tú en esta mañana. Et cette église, c'est toi ce matin. Para que esta ciudad de Montreal pour la ville de Montréal conozca que hay Dios en el cielo. Reconnaît qu'il y a un Dieu au ciel. Y para que esta iglesia se multiplique. Et pour que cette église puisse se multiplier. Que esta iglesia crezca. Et pour que cette église puisse grandir. Es necesario que la presencia de Dios. C'est nécessaire que la présence de Dieu sobre su vida. Puisse être sur ta vie. Cada día sienta la bendición de Dios. À chaque jour, tu as besoin de la bénédiction de Dieu. La iglesia primitiva. L'église primitive. Era una iglesia ardiente. Elle était une église en espíritu feu, y en verdad. En esprit et en vérité. Una iglesia dinámica. Une église porque dynamique. Porque tenía vida. Parce qu'elle avait la y vie. Y la vida era Jesucristo. La vie de Jésus-Christ. Y la iglesia de hoy en día. Et l'église aujourd'hui. Para muchas personas. Pour beaucoup de personnes. O para muchos llamados cristianos. Ou pour beaucoup qui se nomment chrétiens. Está muerta. Est morte. Pero no es verdad. Mais c'est pas vrai. La iglesia de Jesucristo. L'église de Jésus-Christ. Está viva. Elle est vivante. Porque la vida es Jesús. Elle est vivante en Jésus. Y yo siento que esta iglesia está viva. Et je sens que cette église est vivante. Porque se adora a Dios. Parce qu'on adore en Dieu. En espíritu y en verdad. En esprit et en vérité. Alabado sea Dios. Gloire à Dieu. Vivimos en el momento más apasionante de la historia. On vit dans un moment le plus passionné du siècle. Estamos experimentando un movimiento del Espíritu de Dios. On est en train de voir un mouvement du Saint-Esprit. Sin precedente en mucha parte del mundo. Dans plusieurs parties du monde. Hay más gente que viene a Cristo ahora. Plusieurs personnes viennent au pied de Jésus maintenant. Que lo que ha habido en cualquier otro momento de la historia. Que dans n'importe quelle autre histoire. Dios está enviando alas de crecimiento a la iglesia. Et Dieu envoie la multiplication et la croissance dans les églises. En cualquier lugar del mundo. Dans n'importe quelle partie du monde. Donde el pueblo de Dios está preparado. Où le peuple de Dieu est préparé. La iglesia más grande de la historia. L'église la plus grande de l'histoire. Del cristianismo. Du christianisme. Existen en este preciso momento. Existe maintenant. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo. L'Esprit de Dieu est en train de bouger alrededor del mundo. À Montréal et à travers le monde. Este es el tiempo de la cosecha. C'est le temps de pouvoir récolter. En Cuba hay un mover del Espíritu Santo. À Cuba, il y a un mouvement du Saint-Esprit. En la década del 80 al 90. À travers les années 80-90. Solo las asambleas de Dios. C'est seulement les assemblées de Dieu. Tenía 90 iglesias. Qui avait 90 églises tenía dans ce como temps-là. 100 pastores. Avait à peu près une centaine de pasteurs. Hoy para la gloria de Dios. Aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Hay cinco distritos en la Asamblea de Dios. Il y a 5 districts dans l'Assemblée de Dieu. Y cada distrito tiene más de 250 iglesias. Et chaque district a plus de 250 églises. Y Dios está obrando poderosamente. Et Dieu travaille puissamment. Cada día se añade lo que son salvos. À chaque jour, on a des nouveaux sauvés. Predicamos el evangelio al aire libre. On prêche l'évangile à l'air libre. En la plaza. Dans la place. En la ciudad. À la ville. Dios ha abierto la puerta. Dieu a ouvert les portes. Para bendecir a Cuba. Pour pouvoir bénir Cuba. Y así Dios va a bendecir a Canadá. Et Dieu va bénir Canada. Siempre que hayan hombres y mujeres. Seulement quand il va avoir des hommes et des femmes. Que le sean fiel a Dios. Qui soient fidèles à Dieu. Y que le crean a su promesa. Et qui croient en sa promesse. Porque el Dios que le apareció a Jacob. Parce que celui qui est apparu à Jacob, también le Dieu qui est apparu à Jacob, a nosotros, est aussi venu nous voir. Nos habla nosotros, il nous parle à nous. A través del Espíritu Santo, à travers de l'Esprit Saint. Solo que nosotros tenemos que creer en su promesa. La seule chose qu'on doit faire, c'est croire sa promesse. Y por eso la iglesia del Nuevo Testamento, c'est pour ça que l'Église dans le Nouveau Testament era una iglesia dinámica. Est une église dynamique. ¿Y qué hizo diferente la iglesia del Nuevo Testamento? Et qu'est-ce qu'elle a de différent l'église del Nuevo Testamento? Sus esfuerzos. Il s'efforçait. De evangelizar. De pouvoir évangéliser.
Porque estaban llenos de Dios. Parce qu'ils étaient remplis de Dieu. Y cuando predicaba la palabra, et quand ils prêchaient l'évangile, las almas se convertían. Les personnes venaient aux pieds de Christ. Por eso me da gusto hablar con su pastor. C'est pour ça que j'aime parler avec votre pasteur. Porque tiene la bendición. Parce qu'il a la bénédiction. De caminar por el mundo entero. De pouvoir travailler autour du monde. Pero predico la palabra viva. En prêchant la parole vivante. Predica la palabra de poder. Il prêche la parole puissante. Et Dieu va delante de él. Et Jéhovah va devant lui. Abriendo camino. Et il ouvre le chemin. Tocando corazones. Il touche les cœurs. Y nada importa que vaya a las naciones donde es prohibido predicar el evangelio. Et ça dérange pas qu'il aille dans une place où est-ce que c'est pas bien vu de prêcher l'évangile. Donde los cristianos son perseguidos. Où est-ce que les chrétiens sont persécutés. Pero él va en el nombre del Jehová de los ejércitos. Va au nom de Jésus. Como David fue y se presentó delante del gigante Goliat. Quand David a été devant le géant Goliath. No fue con la armadura de Saúl. C'est pas avec l'armure de Saül. Fue con el poder del Dios del ça cielo. A été avec l'armure de Dieu, et le pouvoir de Dieu. Vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Il est allé au nom de Jésus. El enemigo tiembla. Nada importa que te apunten con cañones. Même si vous êtes avec un fusil devant vous. La mano de Dios está sobre nosotros. La main de Dieu est sur el vous. Poder de Dios está con nosotros. Et le pouvoir de Dieu est sur nous. Una iglesia espiritual cambia la historia. Une église spirituelle peut changer l'histoire. Aleluya. 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 Esta iglesia puede cambiar la historia de Montreal. Cette église peut changer l'histoire de Montréal. No te preocupes cómo están las demás iglesias. Tu dois pas te préoccuper qu'est-ce que les autres églises Preocúpate font. Cómo está tu relación con Dios. Tu dois te préoccuper de ta relation avec Preocúpate Dieu. Cómo está tu iglesia. Préoccupe-toi de qu'est-ce Alleluia. Que ton église fait. Alléluia. Cristo viene pronto. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Tenemos la oración de Jabez. On a la prière de Jabez. En primero de crónicas. Dans première chronique. Capítulo 4. Chapitre 4. Versículo 10. Verset 10. Hay algo muy importante. Quelque chose de très important. ¿Qué hizo que Jabez fuera el más ilustre de sus hermanos? Jabez était le plus merveilleux de ses frères. Dice que Jabez invocó al Dios de Israel. Parce qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. ¿Sabe lo primero que pidió Jabez? Savez-vous c'est quoi la première chose qu'il a demandé? No fue riqueza. C'est pas les richesses. No fue sabiduría. C'est pas la sagesse. Nosotros muchas veces. Des fois, nous, nos preocupamos más por nuestras necesidades. On se préoccupe plus de nos besoins économiques, social. Pero no debe ser así en la vida de un cristiano. Mais on doit pas être comme ça en tant que chrétien. Lo que enriquece la vida de un cristiano. Ce qui enrichit la vie d'un chrétien. Lo que enriquece una iglesia. Ce qui enrichit une église. Es la comunión con Dios. C'est la communion avec Dieu. Es la bendición de Dios. C'est la bénédiction de Dieu. ¿Sabe? Vous savez? Lo primero que le he pedido a Dios siempre en mi vida. La première chose que je demande à Dieu dans ma vie. Y se lo digo en esta mañana a ustedes. Et je vous le dis aujourd'hui. Yo soy un hombre bendecido. Je suis un homme béni. Nada importa la miseria. La misère m'importe. Nada importa la escasez económica. Même si j'ai pas d'argent. Nada importa donde yo viva. Même si j'ai pas un toit. Lo más interesante es tener la bendición de Dios. Le plus intéressant c'est d'avoir la bénédiction de Dieu. Yo te digo a ti en esta mañana. Je te dis aujourd'hui ce matin. Preocúpate en primer lugar. Tu dois te préoccuper. Por tener la bendición de Dios. Premièrement pour avoir la bénédiction de que Dieu. Que Dios se va a encargar de los demás problemas de tu vida. Et le reste Dieu va s'en charger. De tu hogar. Dans le financier, de tu familia, dans ta famille. Lo primero que pidió Jabez fue la tener la bendición de Dios. Qu'il a demandé, c'est d'avoir la bénédiction de Dieu. Y Dios le otorgó la bendición. Et Dieu lui a donné. Y ahí vinieron las demás cosas. Et les autres choses sont arrivées par la suite. Y eso es lo que tiene que necesita una iglesia, la bendición de Dios. Et c'est ce que l'église a besoin, la bénédiction de Dieu. Jabez le rogó a Dios. Il a invoqué Dieu por una bendición, pour une bénédiction y que ensanche su territorio, pour qu'il puisse accorder plus de territoire y que la mano de Dios esté con él, qu'il puisse élargir son territoire que y la que main de Dieu soit sur mal. Lui y dice la Biblia, et la Bible dit y le otorgó Dios,
Et Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? ¿Te puede preguntar en esta mañana? Pouvez-vous vous poser la question? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Que Dios no te lo ha dado. Que Dieu ne vous a pas donné encore. El carro del año? Est-ce que vous avez demandé l'auto de l'année? Una buena casa? Une bonne maison? Una buena familia? Une bonne famille? No te lo ha concedido Dios? Dieu ne te l'a pas accordé? Algo está pasando. Il y a quelque chose qui va mal. Algo está funcionando mal. Il y a quelque chose qui va mal. No ha pensado? Vous n'avez pas pensé? No ha meditado en eso? Vous n'avez pas médité sur ça? Tú sabes lo que dice el Salmo 16? Tu sais qu'est-ce que le psaume 16 dit? Para los santos que están en la tierra. Pour les saints qui sont sur la terre. Para los íntegros que están aquí en esta mañana. Pour tous ceux qui sont intègres ce matin. Es todo lo bueno de Dios. Toutes les bénédictions de Dieu sont pour vous. Dice la Biblia que para los santos y para los íntegros que están en la tierra. Toutes les saints et les intègres qui sont es sur toda la terre. La complacencia de Dios. Toutes les bénédictions de Dieu sont pour vous. Alléluia. Alléluia. ¿Y qué es la complacencia de Dios? Et c'est quoi les bénédictions de Dieu? Todo lo bueno que tiene Dios. Tout ce que Dieu a qui est bon. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Combien d'entre vous ont des ¿Cuántos enfants padres ici? Hay aquí? Combien de parents ici sont ici? Por lo único que yo estoy dispuesto a dar mi vida. Les seules personnes pour qui je donnerai ma vie. Es por cualquiera de mis tres hijas. C'est pour n'importe quelle de mes trois filles. Porque la amo con todo el corazón. Parce que je les aime de tout mon cœur. Porque son parte de mi vida. Parce qu'elles font partie de moi. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Jésus-Christ a donné sa vie pour tout le monde ici. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dar toda su complacencia? Comment est-ce qu'il ne donnera pas toutes ses bénédictions? ¿Cómo no va a estar dispuesto a dar todo lo bueno para ti? Comment est-ce qu'il te donnerait pas tout le bon pour toi? Entonces te doy un consejo en esta mañana, iglesia. Alors, je te donne un conseil ce matin, église. Lucha por obtener en primer lugar de tu vida la bendición de Dios. Que tu puisses combattre pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Porque dice Mateo 6:33. Parce que Matthieu 6:36 dit. Más buscad primeramente el reino de Dios. Que tu dois chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Et toutes les choses viendront après. Van a venir por un regalo de Dios. Et ils vont venir avec un cadeau de Dieu. Dios tiene regalo para ti en esta mañana. Dieu a des cadeaux pour vous ce matin. Dios tiene cosas especiales para ti en esta mañana. Dieu a des choses spéciales pour toi ce matin. Alabado sea Dios. On va louer Dieu ce matin. Dios es bueno. Et on va dire que Dieu est bon. Dice el Salmo 23. Le psaume 23 dit. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, je ne manquerai de rien. Y dice que en presencia de tus angustiadores él te va a bendecir. Et qu'en présence de tes ennemis, il va te bénir. Y tenemos angustiadores donde quiera. Et est-ce qu'on a des personnes qui nous persécutent? Où est-ce qu'on va? Enemigo de la iglesia. Il y a des ennemis qui sont de l'église. Nosotros no tenemos enemigo a nadie. Nous, on n'a pas d'ennemis. Pero si hay muchos angustiadores en contra de nosotros. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent nous faire du mal. Que desean el mal para nosotros. Qui veulent nous faire du mal. Hay un enemigo que está preocupado en esta mañana. Mais il y a un ennemi qui est préoccupé aujourd'hui. Y es que la iglesia está creciendo. Parce que l'église grandit. Pero Dios está con nosotros. Mais Dieu est ici avec nous. Y la presencia de Dios está con nosotros. Et la présence de Dieu est ici. Y el enemigo no está contento. Et l'ennemi n'est pas content. El Señor nos bendice en medio de nuestros angustiadores. Et le Seigneur nous bénit à travers les diverses circonstances. La iglesia en cada crisis es una oportunidad para ver milagro de Dios en tu vida. Dans chaque crise que l'église passe, c'est là qu'on peut voir para ver la mano de Dios obrando en tu vida. Qu'on va voir la main de Dieu agir Dios sur ta está vie. Con nosotros. Dieu est avec nous. Aunque hayan gigantes, même s'il y a des aunque géants. Hayan murallas, même s'il y a des murailles. Porque siempre van a ver contrario a nuestra fe. Parce qu'il y a des personnes qui vont être contraires à notre foi. Pero quiero decirte en esta mañana, iglesia, mais je veux te dire ce matin, Église. Una iglesia
puede crecer. Une église peut grandir. Y tener poder. Et avoir le pouvoir. Cuando la iglesia ora. Quand l'église prie. La iglesia que ora. L'église qui prie. Es una iglesia como esta. Est une église comme celle-ci. Que cuando uno llega sienta la presencia de Dios. Que quand on arrive, on sent la présence de Dieu. Pero la iglesia que no ora. Mais l'église qui ne prie pas. Es una iglesia que está muerta. Est une église morte. La gente llega al templo. L'église vient à l'église vient dans le culte. Y la gente empieza a hacer cuento. Et il commence à murmurer. La gente empieza a hablar. Les personnes commencent à parler. La iglesia, la gente habla de negocios, los hermanos. Les personnes parlent de business. Pero no hablan de papá Dios. Mais ils parlent jamais de Dieu. Pero qué bueno es llegar al templo de Dios. Mais on se réjouit quand on vient dans le temple de Dieu. Y empezar a estar en comunión con Dios. Et on commence à avoir la communion avec Dieu. Empezar a hablar con Dios. On commence à parler empezar avec Dieu. Empezar a adorar a Dios. On commence à adorer Dieu. Entonces empieza a fluir la presencia de Dios. Et la présence de Dieu descend. Te digo con todo el corazón de mi alma. Je peux te dire de tout mon cœur. Cuando llego al púlpito. Quand je viens sur la tribune. En la iglesia. Dans l'église. No empiezo a predicar. Je ne commence pas à prêcher. Hasta que no siento la presencia de Dios. Jusqu'à temps que je ne vois pas la présence hasta de que Dieu. No veo que la iglesia entra en la adoración a Dios. Jusqu'à temps que je ne vois pas que l'église entre dans l'adoration. Lo más dulce que hay es la presencia de Dios. Le plus doux qu'il y a, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Y número uno, la iglesia debe de orar. Et la première chose que l'église doit faire, c'est prier. Número dos, hace falta una iglesia misionera. Numéro 2, il manque des églises missionnaires. Número 3. Numéro 3. Una iglesia que tenga testimonio. Une église qui a un bon témoignage. Número 4. Numéro 4. Una iglesia amorosa. Une église amoureuse. El amor de Dios. L'amour de Dieu. Debe estar en primer lugar. Doit être en premier lieu. ¿Sabe que la Biblia habla? Vous savez que la Bible parle. Que en los últimos tiempos el amor se iba a enfriar. Que dans les derniers temps, il n'y aura plus d'amour. Y lo vemos en la propia familia. Et on le voit même dans les familles. Padres que no aman a sus hijos. Les parents qui n'aiment pas leurs enfants. Hijos que no aman a su padre. Les enfants qui n'aiment pas leurs parents. Pero yo te digo a ti con todo el corazón. Mais en je esta te mañana. Dis aujourd'hui de tout mon cœur. Yo lo amo a ustedes. Je vous aime. Y me atrevo a darle un beso a todos. Et je vais même vous donner un bec à tout le monde. Y un abrazo fuerte. Et un câlin à tout le monde. Porque es el corazón que Dios me ha dado. Parce que c'est le cœur que Dieu m'a donné. Un corazón lleno de amor. Un cœur rempli d'amour. Yo estoy gastando toda mi fuerza y mi energía. Je suis en train de pouvoir donner tout mon énergie. Para servir a los hermanos. Pour pouvoir servir à mes para frères. Para trabajar a favor de los pastores. Pour pouvoir travailler avec d'autres pasteurs. Yo le digo, no tengo descanso. Je peux vous dire que je prends pas beaucoup de repos. No tengo un día de descanso en mi vida. Je prends pas de repos dans ma vie. Porque amo a Dios. Parce que j'aime Dieu. Amo la obra de Dios. J'aime l'œuvre de Dieu. Amo los siervos de Dios. J'aime les serviteurs de Dieu. Pero amo a todos los hermanos por igual. Mais j'aime aussi tous mes frères égaux. Y quiero que los hermanos se gocen y disfruten de la presencia de Dios. Et je veux que tout le monde puisse profiter de la présence de Dieu. Y tengo una congregación. Et j'ai une congrégation. Un poquito más de 200. Un petit peu plus de 200 personnes. Pero tengo que trabajar con más de 300 iglesias. Mais je dois travailler avec plus de 300 églises. Y todo el mundo quiere que le visite. Et tout le monde veut qu'on aille le visiter. Y todo el mundo quiere que le lleve hermanos para que le ayuden a construir. Et il veut qu'on puisse amener des personnes pour pouvoir construire. Y estoy al frente de todas las construcciones. Et je suis en train de faire toutes les constructions pour ces églises. Pero lo estoy haciendo. Mais je le fais. Porque amo a Dios. Parce que j'aime Dieu. Aleluya. Aleluya. Y tenemos que amar al prójimo. Et on doit aimer notre prochain. Y tenemos que amar a nuestros enemigos. Et on doit aimer nos ennemis. Pero la iglesia necesita escudriñar la palabra de Dios. Mais l'église doit rentrer dans la parole de Tengo Dieu. Tengo una batalla en mi vida. J'ai une bataille dans ma vie. Y es que muchos no escudriñan la palabra de Dios. Et cette bataille, c'est que la majorité des personnes ne passent pas trop y de temps ella dans la parole. Y en ella tenemos la vida eterna. Et on a une vie éternelle. Y ellas son las que nos hablan. Et c'est ceux-là qui nous parlent. Y cuando una iglesia quand une église hace toda esta cosa, fait tout ça,
Es una iglesia que tiene influencia. C'est une église qui a de l'influence. Yo estoy seguro que esta iglesia tiene influencia aquí en Montreal. Je suis certaine que cette église a de l'influence à Montréal. Yo estoy seguro que aquí en Montreal hablan de esta iglesia. Je suis certaine qu'ils parlent de l'église à Montréal. Porque aquí hay presencia de Dios. Parce qu'on a la présence de Aleluya. Dieu. Aleluya. Pero la iglesia necesita tener los dones del Espíritu Santo. Mais l'église a besoin d'avoir les dons de l'Esprit. A mí me gusta escuchar la voz del Espíritu Santo. Moi j'aime écouter la voix du Saint-Esprit. A mí me gusta escuchar los hermanos que hablan en lengua. Moi j'aime écouter les personnes qui parlent en langue. Me gusta escuchar cuando los hermanos profetizan. J'aime quand les personnes y prophétisent en el Espíritu et Santo. Dansent dans l'Esprit. Y la iglesia necesita tener los frutos del Espíritu Santo. Et l'église a besoin d'avoir les fruits de l'Esprit. Gozo. La joie. Paz. La paix. Bondad. La bonté. Mansedumbre. Être miséricordieux. Templanza. Avoir de la patience. Contra tales cosas no hay ley. Entre toutes ces choses, il n'y a pas de loi. Así que iglesia en esta mañana. Alors église aujourd'hui. El tiempo que vivimos. Dans le temps où on vit. Es un tiempo para empezar a mirar hacia arriba. On doit regarder en haut. Nosotros somos de arriba. On vient d'en haut. Nosotros no somos de aquí, de abajo. On n'est pas de cette terre. Nosotros estamos de visita en este mundo. On fait juste passer sur cette terre. Nosotros somos del reino de Dios. Car on est du royaume de Dieu. Levantemos nuestros corazones al Señor en esta mañana. Alors on doit lever nos cœurs ce matin à Dieu. Seguro de la victoria. Pour avoir la victoire. Porque hemos sido llamados por Dios. Parce qu'on a été appelé pour Dieu. Josué fue llamado por Dios. Josué a été appelé par Dieu. Para mí en la Biblia uno de los hombres grandes es Josué. Pour moi un des grandes personnes de la Bible c'est Josué. Tuvo al lado de Moisés todo el tiempo. Il a été à côté de Moïse tout todo le temps. Todo el tiempo en el desierto. Tout le temps dans le désert. Pero yo no he leído nada de Josué. Mais j'ai pas lu quelque chose de Josué. Que Josué le haya fallado a Dios. Qui dit que Josué a manqué à Dieu. Y Josué tuvo la bendición de entrar el pueblo a la tierra prometida. Et il a pu apporter le peuple à la terre promise. A la tierra que fluye leche y miel. Où est-ce qu'il y avait le lait et le miel. Pero para entrar el pueblo a la tierra prometida. Mais pour pouvoir amener le peuple là où il est. Habían grandes obstáculos. Il y avait beaucoup d'obstacles. Había que ganar batalla. Il y avait des batailles à vaincre. Estaba la ciudad de Jericó en primer lugar. Premièrement, il y a eu la muraille de Jéricho. Muy amurallada. Qui était très grande. Muy difícil de ganar la batalla. Très difficile de pouvoir conquérir. Y solamente con empezar a adorar a Dios. Et seulement avec l'adoration. Y dar vuelta. Et tourner en rond. La muralla se cayó. La muraille est tombée. Estaba el río Jordán. Et il avait le Jourdain. En esta mañana. Aujourd'hui. Somos seres humanos. On est des êtres vivants. Y aunque tenemos la bendición de Dios. Et même si on a la bénédiction de Dieu. Pero hay murallas delante de nosotros. Des fois on a des murailles devant nous. Quizá hay un Jordán en esta mañana en tu vida. Peut-être qu'il y a un Jourdain aujourd'hui dans ta vie. Quiero decirte en esta mañana. Je veux te dire ce matin. Josué. Pasó el Jordán. A traversé le Jourdain. Las aguas se detuvieron, las que venían de arriba. Les eaux se sont détenues. ¿Sabe por qué? Savez-vous pourquoi? Porque Josué tenía la presencia de Dios. Parce que Josué avait la présence de Dieu. Y nosotros luchamos muchas veces. Et nous on lutte souvent. Contra el enemigo. Contre l'ennemi. Con la batalla de la vida. Avec la bataille de la vie. Pero luchamos con nuestra fuerza. Mais on lutte avec nos forces. Con nuestra sabiduría. Avec notre pensée. Y así no podemos ganar la batalla. Et comme ça, on ne gagnera jamais la bataille. Yo no sé en esta mañana. Je ne sais pas ce matin. Tal vez hay un Jordán delante de ti. Peut-être que tu as un Jourdain à traverser. Que ha luchado por mucho tiempo. Que tu as lutté pendant beaucoup de temps. Y no ha podido cruzarlo. Et tu n'as pas pu traverser. Porque ha luchado con tu fuerza. Parce que tu as lutté avec tes forces. Ha luchado con tu sabiduría. Tu as lutté avec ta sagesse. Pero así no va a cruzar el Jordán. Mais comme ça, tu ne traverseras jamais. Necesita la fortaleza de Dios. Vous avez besoin de la fortaleza. Con la presencia. La présence de con Dieu. La presencia de Dios es posible. Avec la présence de Dieu, tout est possible. Destruir la fortaleza. On peut détruire les forteresses. Derribar la fortaleza. On peut détruire les forteresses. Que hay en tu vida. Qui sont dans ta vie.
Hay un Jordán en esta mañana delante de ti. Est-ce qu'il y a un Jourdain devant toi ce matin? Fortalécete en el poder de su fuerza. Il faut que tu puisses tes forces en Dieu. Fortalécete en el poder de su fuerza. Il faut que tu puisses tes forces en sa puissance. Isaías capítulo 35 y versículo 3. Isaías 35, 3. Fortaleced la mano cansada. Il dit que on fortifie les mains languissantes. Y afirmad la rodilla endeble. Et affirmer les genoux qui chancellent. Fortalécete en el Señor. Il faut que tu sois fortifié dans Porque le Seigneur. Muchas veces estamos débiles. Parce que des fois, on est faible. Y tú necesitas fortalecerte. Et on doit prendre notre puissance. Para ir a las misiones. Pour pouvoir aller en mission. Para el desafío que te espera por delante. Pour tous les défis qui sont devant toi. Fortalécete en esta mañana. Il faut qu'on puise nos forces en Dieu. En el poder matin, del Señor. Dans la puissance de Dieu. Y verá cómo puede ganar. Et on va voir comment qu'on peut gagner. Cómo puede triunfar. Comment qu'on peut triompher. En Isaías 40, 31. En Isaïe 40, 31. Dice más lo que esperan en Jehová. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Tendrán nuevas fuerzas. Renouvellent leurs forces. Levantarán alas como las águilas. Ils prennent le vol comme les aigles. Correrán y no se cansarán. Ils courent, ne se lassent point. En esta mañana. Ce matin. El Señor te multiplica la fuerza. Dieu renouvelle tes forces. En esta mañana necesita nueva fuerza. Ce matin tu as besoin de plus de el force. Espíritu Santo de Dios está aquí en esta Et mañana. L'Esprit de Dieu est ici ce matin. Para fortalecerte. Pour pouvoir te redonner ses para forces. Animarte, pour pouvoir para redonner et te dire para darte nueva fuerza. Je te donne de nouvelles forces. La iglesia ardiente, l'église en feu no necesita ni tan siquiera edificio. A pas besoin d'avoir un édifice. Alléluia. Vous savez? Cuando la presencia de Dios está, quand la présence de Dieu est ici, usted puede formar una iglesia debajo de aquella mata. Vous pouvez être en dessous de cet arbre là-bas. Aleluya. Aleluya. En la década del 99, del 90 al 2000, en 90 jusqu'à 2000, hubo un sacudido muy especial en Cuba. Il y a eu quelque chose de spécial à Cuba. La gente iba al culto. Les gens venaient dans les assemblées. Ils se convertían. Et ils venaient aux pieds de Christ. Nunca habían escuchado el evangelio. Ils n'avaient jamais écouté l'évangile. Y cuando usted se daba cuenta, debajo de una mata había una congregación. Et quand vous vous rendez compte, ils étaient en train de faire un culte en dessous d'un arbre. No había templo. Il n'y avait pas de temple. Y yo le hago una pregunta a ustedes en esta mañana. Et je vous fais je vous pose une question ce matin. Si la presencia de Dios se mueve. Si la présence de Dieu bouge et Dios empieza a traer el pueblo aquí adentro et il commence à venir y la gente empieza a convertirse, les gens commencent à donner leur vie à Christ. ¿Qué va a hacer el pastor Fofi? Qu'est-ce que le pasteur Fofi va faire? ¿Podrá atender 10,000 personas? Est-ce qu'on pourra avoir 10,000 personnes? ¿Podrá atender 20,000 personas? Est-ce qu'on peut avoir 20,000 personnes? Cada uno de ustedes. Mais chacun de vous. Estará al frente de un grupo. Vous devez être en avant pour les guider. Eso pasó en Cuba. C'est qu'est-ce qui est arrivé à Cuba? La gente se convertía. Les gens venaient. Y hay personas que fueron a la prisión. Et il y a des personnes qui ont été en prison. Y cuando entraron a la prisión. Et quand ils ont rentré en prison. Los presos cantaban. Les prisonniers chantaient. Espíritu de Dios. L'Esprit de Dieu. Desciende sobre mí. Elle descend sur nous. Y dame más poder. Et elle nous donne le pouvoir. Para poder vencer. Pour pouvoir vaincre. Yo sé que Cristo viene. Je sais que Jésus revient. Yo espero su venida. J'attends sa venue. Y aquel que esté preparado. Et celui qui est preparado. Préparé. Subirá con él para arriba. Irá au ciel. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe lo que le quiero decir con esto? ¿Savez-vous qu'est-ce que je veux vous dire avec ça? Que la presencia de Dios se había metido con los presos. Que la presencia de Dios était même dans les prisons. Y en la prisión había una iglesia. Et dans les prisons, on a fait des églises.
perpresos que se habían entregado a Dios. Les prisonniers avaient donné leur vie à Dieu. Lo que te quiero decir en esta mañana. Ce que je veux te dire ce matin. Mi hermano querido y mi hermana. Mes chers frères et sœurs. Que tiene que estar preparado. Que vous devez être préparé. Aleluya. Aleluya. Si hay una sacudida en Montreal. Si hay un réveil à Montréal. Tú vas a tener que atender un grupo. Vous devez mettre la main à la pâte. ¿Cuánto quisieran tener un grupo? Combien voudraient avoir un groupe? Y Fofi. Et Pastor Fofi. Muy contento. Il va être super content. Porque habrían miles y miles. Parce qu'il va avoir des milliers et des milliers. Que vienen a los pies del Señor. Qui vont venir aux pieds de Christ. Por eso usted tiene que estar preparado. C'est pour ça que vous devez être préparé. Esa es la iglesia. Ça c'est l'église. Dinámica. Qui est dynamique. La iglesia ardiente. L'église en feu. La iglesia que tiene fuego de Dios. L'église qui a le feu de Dieu. Alabado sea su nombre. Donnez gloire à Dieu. Fortalécete en esta mañana. Fortifiez-vous dans le Seigneur. En la fuerza del Dios omnipotente. Dans la force du Dieu tout-puissant. Pero quiero decirte cuál es la clave para un despertar espiritual. Mais je veux te donner une clé pour un réveil spirituel. Aleluya. El Salmo 34 y versículo 4. On va aller au Psaume 34 verset 4. Es un bello pasaje de la Biblia. C'est un passage merveilleux de la Bible. A todo el mundo le gusta. Tout le monde l'aime. Dice, busqué a Jehová. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Y él me oyó, et il m'a répondu. Y me libró de todos mis temores. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Y dice, y lo que miraron a él, et ceux qui ont vu fueron alumbrados. Vers lui ont eu la lumière. Y su rostro no fueron avergonzados. Et ils n'ont pas été... no fueron avergonzados. Ils ont pas eu de ils ont vaincu dans le fond. Y el Salmo 32 versículo 8. Et le Psaume 32 8 dice te haré entender. Il dit je te ferai y te enseñaré el camino en que debes andar. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Y sigue diciendo. Et ça dit sobre ti je te conseillerai fijaré mis ojos. J'aurai le regard sur toi. ¿Sabe que el Señor te está mirando en esta mañana? Est-ce que vous savez que Dieu vous regarde ce matin? ¿Sabe que el Señor tiene los ojos puestos sobre ti en esta mañana? Est-ce que vous savez que Dieu a son regard sur vous? ¿Qué bendición que Dios me está mirando? Quelle bénédiction que Dieu a son regard sur moi. ¿Y quién soy yo para que Dios me esté mirando? Et qui suis-je pour que Dieu me regarde? Soy su hijo. Je suis son fils. Entonces la clave para Alors, un despertar espiritual. La clé pour un réveil spirituel. Dice lo que se quiere se busca. Et il dit, tout ce que vous voulez, vous allez le chercher. Si quiere algo de Dios, si vous voulez quelque chose de Dieu, enciérrate en tu habitación, vous devez commencer dans votre habitation hasta que Dios aparezca, jusqu'à temps que Dieu te, hasta que Dios te hable. Que jusqu'à temps que Dieu te si parle. Venimos a la casa de Dios, si on vient devant la maison de Dieu y Dios nos habla, et Dieu nous parle. Pero qué bueno es tener tiempo a sola con Dios. Mais aussi tu dois avoir un temps secret avec qué Dieu. Bueno es buscar la presencia de Dios. Tu dois chercher la présence de Dieu. Lo que Dios tiene para ti, tout ce que Dieu a pour toi. Cuando la presencia de Dios cae, quand la présence de Dieu descend, es algo glorioso. C'est quelque chose de glorieux. La gente pone la mirada en el hombre. Les personnes mettent leur regard sur les no hommes. En la persona del Espíritu Santo. Mais pas sur l'Esprit. Nosotros debemos poner nuestra mirada en la persona del Espíritu Santo. Nous, on doit mettre notre regard sur l'Esprit. Dice Romanos capítulo 8 versículo 6. Romains 8, 6. Porque el ocuparse del Espíritu es vida. Parce que quand on s'occupe de l'esprit, on a la vie. La iglesia necesita ocuparse del espíritu. L'église doit s'occuper de la iglesia necesita estar lleno del espíritu. On doit être rempli du Saint-Esprit. Para que tenga vida. Pour qu'on puisse avoir la vie. Para que tenga poder. Pour qu'on puisse avoir le pouvoir. La presencia de Dios está en la iglesia. La présence de Dieu est dans l'église. La presencia de Dios está en la comunidad. La présence de Dieu est dans la communauté. Es la vitalidad. C'est la vitalité que nos da el Espíritu Santo. Que l'Esprit de Dieu nous donne. Mantener la palabra de Dios. On doit garder la parole de Dieu. Vivir la palabra de Dios. On doit vivre la parole de la Dieu. La evangelización. On doit évangéliser. La pureza. La pureté. Y santidad de la iglesia. La sainteté de l'église. Para recibir de Dios. Pour pouvoir recevoir de lo Dieu. Lo que usted y yo necesitamos. Tout ce qu'on a besoin. Se busca a Dios de verdad.
on doit chercher de lo Dieu. Que uno quiere de corazón se busca. Ce qu'on veut du cœur, on va le chercher. Que poder buscar a Dios por poder y no por lo que él hace. Alors on devrait aller chercher Dieu pour son pouvoir, mais pas pour ce qu'il va faire pour nous. Hay quienes buscan a Dios. Il y en a qui cherchent Dieu por lo que él hace. Pour tout ce qu'il fait. Hay que buscar a Dios por lo que él es. Mais on doit chercher Dieu pour qui il est. No por lo que él hace. Pas pour ce qu'il fait. Yo busco a Dios porque él es Dios. Je cherche Dieu parce qu'il est Dieu. Yo no lo busco a cambio de nada. Je ne cherche pas pour échanger quelque yo chose. Recibí a Cristo. J'ai reçu Christ. Porque yo sé que él es Dios. Parce qu'il est Dieu. Y porque yo sé que me hace falta. Parce que je sais que j'ai un manque. Y porque yo sé que él me da la vida eterna. Parce que je sais qu'il me donne la vie éternelle. Pero si estoy enfermo y no me sana, mais si je suis malade et je ne suis pas guéri, no tengo por qué apartarme de él. Je ne dois pas m'éloigner de lui. No tengo por qué preocuparme. Je ne dois pas me préoccuper. Yo sé que en primer lugar, parce que je sais qu'en premier lieu, él me ha dado la vida eterna. Il m'a donné la vie éternelle. Y yo sé que él puede sanarme. Et je sais qu'il peut y me yo guérir. Creo que Dios es nuestro sanador. Qu'il est notre sauveur. Y yo creo que Dios sigue siendo milagro en nuestro tiempo. Et je crois que Dieu fait encore des miracles maintenant. Y Dios me sanó a mí de gastritis crónica y úlcera. Et j'avais des ulcères et une gastritis. Gastritis. Sí. Gastrite chronique. Pero hay que buscar a Dios por lo que él es. Mais on doit chercher Dieu pour qui il est. Y Dios le dijo a Moisés. Et Dieu a dit à Moïse que iba a mandar un ángel con él. Qu'il allait envoyer un ange avec lui. Pero Moisés no estuvo de acuerdo. Mais Moïse n'était pas en accord. Dios le dijo, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Et Moïse lui a dit, je veux que ta présence vienne avec Moisés moi. No se movió. Moïse n'a pas bougé. Hasta que no fue la presencia de Dios quien lo movió a llevarlo al lugar. Jusqu'à temps que ce soit la présence de Dieu qui puisse l'amener à bouger. Cuando tú te mueves en la presencia de Dios. Parce que quand tu bouges dans la présence de Dieu. Dios va a ir contigo. Dieu est avec toi. Dios te va a usar. Dieu va t'utiliser. Dios va a sanar los enfermos. Dieu va guérir les Dios malades. Puede resucitar los muertos. Dieu peut ressusciter les morts. Tu familia puede cambiar. Ta famille peut changer. Tu vecino pueden cambiar. Ton voisin peut changer. Tu compañero de trabajo pueden cambiar. Tes compagnons de travail peuvent changer. Todo puede cambiar en tu vida. Et tout peut changer dans ta vie. Procura moverte. Mais tu dois bouger en la voluntad de Dios. Dans la volonté de procura Dieu. Procura moverte. Tu dois bouger bajo la guianza de su presencia. Sous les pas de Dieu. Alabado sea Dios. Alléluia. Dios le dijo a Moisés. Dieu a dit à Moïse. Voy a mandar un ángel. Je vais envoyer un ange. Y un ángel de Dios es algo grande. Et un ange de Dieu c'est quelque chose de merveilleux, dice de grand. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Et dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Y lo defiende. Et il combat pour lui. Pero dice, el poder de Dios nos asombra, ¿verdad? Mais le pouvoir de Dieu est merveilleux. Para Dios sanar un cáncer no es nada grande. Pour Dieu, guérir un cancer, c'est rien de merveilleux. Es algo normal. C'est quelque chose de normal. Pero para nosotros es algo grande. Mais pour nous, c'est quelque nos chose d'incroyable. Hemos visto cómo Dios hace milagros. On est émerveillés par les miracles de Dieu. Hemos visto cómo Dios alarga la pierna. On a vu comment que les personnes peuvent avoir une jambe plus courte que l'autre. Para Dios et Dieu tan, fait le miracle. Para Dios es tan fácil. Et pour Dieu, c'est tellement facile. Y a nosotros nos asombra su poder. Mais pour nous, des fois, on est émerveillés. Pero sabe, la presencia de Dios nos transforma. Mais savez-vous que la présence de Dieu nous transforme? Es algo grande. C'est quelque chose de grand. Mucha gente son tocado por su poder. Beaucoup de personnes sont touchées par son pouvoir. Pero no conocen su presencia. Mais ne connaissent pas sa présence. El poder revela lo que Dios hace. Le pouvoir révèle ce que Dieu fait. La presencia revela quién es Dios. La présence révèle qui est Dieu. Qué dulce la presencia de Dios. Quelle est douce la présence de Dieu. La presencia de Dios lo cambia todo. La présence de Dieu change tout. Ya termino. Et on va terminer. Diciéndote lo que dice el Salmo 114. En lisant ce que le psaume 114 dit. Yo quiero que tú vayas allí por un momentico, ya estoy terminando, ya. Je veux qu'on puisse tourner nos Bibles vers le psaume 114. Pero el Salmo 114.
Le psaume 114. Me inspira en esta mañana. M'inspire ce matin. Porque vemos las maravillas del Dios del cielo. Parce qu'on voit les merveilles de Dieu. Y el versículo 3. Et au verset 3. Dice el mar lo vio y huyó. Il dit la mer le vit et s'enfuit. El Jordán se volvió atrás. Le Jourdain retourna en arrière. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Y hay una pregunta aquí. Il y a une question qui s'en vient. ¿Qué sucedió, mar? ¿Qué sucedió, mar, que huiste? Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Y tú, Jordán, que volviste atrás. Jourdain, pour retourner en arrière. Montes. ¿Por qué saltasteis como carneros? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Y vosotros, callados como corderito. Et vous, collines, comme des agneaux. A la presencia de Dios. A la presencia de Jehová. Tiembla la tierra. Tremble devant le Seigneur, ô terre. ¿Sabe lo que pasa cuando Pope sale a dar una campaña, Fofi? Qu'est-ce que vous pensez qui arrive quand que nous allons faire des croisières? Y empieza a orar por los enfermos. Et qu'on commence des croisades et qu'on commence à mettre les mains sur les malades. Que a la presencia de Dios. Que la présence de Dieu. Como la presencia de Dios está con él. Que la à cause que la présence de Dieu est avec Pasteur Fofi. Cuando él ora. Quand il prie. El cáncer se va. Le cancer s'enfuit. Las enfermedades se van. Les maladies s'enfuient. Y tú no crees que Dios puede usarte a ti como usa a mi querido hermano Fofi? Et est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas t'utiliser toi aussi pour pouvoir prier sur les malades comme le fait Pasteur Fofi? La presencia de Dios es para uno solo? Est-ce que la présence de Dieu est pour une seule personne? La presencia de Dios está al alcance de todos nosotros en esta mañana. La présence de Dieu est à nos côtés. Iglesia. Église. Quiero orar en esta mañana. Je veux prier ce matin. Yo no sé cuál es tu problema. Je sais pas quel est ton problème. Yo no sé cuál es tu problema en esta mañana. Je sais pas quel est ton problème ce matin. Tal vez tiene un Jordán delante de ti. Peut-être que tu as un Jourdain devant toi. Tal vez tiene un mar rojo delante de ti. Peut-être que tu as une mer rouge devant toi. Tal vez tiene una muralla delante de ti. Peut-être que tu as une muraille devant toi. Y tú no la has podido derribar. Et tu n'as pas pu la conquérir. Pero en esta mañana. Mais ce matin. Yo te digo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Je te dis au nom de Jésus. Que a la presencia de Dios. Que la présence de Dieu. El enemigo tiene que huir. À la présence de Dieu, l'ennemi doit s'enfuir. El enemigo tiene que retroceder. L'ennemi doit reculer. La enfermedad tiene que irse. La maladie doit s'enfuir. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Je veux prier ce matin pour toi. Si tú crees esta mañana. Si tu crois ce matin. Que el Dios del cielo. Que le Dieu du ciel. Que el Dios de Abraham. Que le Dieu d'Abraham. Que el Dios de Jacob. Que le Dieu de Jacob. Que el Dios de los jóvenes hebreos. Que le Dieu des jeunes hébreux. Es el mismo Dios hoy. C'est le même Dieu maintenant. Y está aquí con nosotros. Et il est ici aujourd'hui. Y su presencia está aquí en esta mañana. Et sa présence est ici ce matin. Y tú te atreves a creer. Et tu crois. Yo voy a orar. Je veux prier. Y tú vas a recibir en esta mañana. Et tu vas recevoir ce matin. La bendición. La bénédiction. La presencia de Dios. La présence de Dieu. Y tu problema se va a resolver. Et ton problème va être résolu. Quizá está orando por muchos años. Peut-être ça fait des années que tu es en train de prier. Y que quizá te has sentido desanimado. Et peut-être que tu te sens pas à la hauteur. Quizá has pensado que Dios no te escucha. Peut-être que tu as dit que Dieu ne t'écoute pas. Pero en esta mañana yo te digo. Mais ce matin je te dis. Es mentira de Satanás. C'est une menterie de Satan. El Señor sí te escucha. Parce que Dieu t'écoute. El Señor pagó un precio por ti. Parce que Dieu a payé un prix pour El toi. El Señor llevó tu carga. Dieu tu a pris tes péchés, tes problèmes. Tus enfermedades. Tes maladies. Y él está aquí en esta mañana. Et il est ici ce matin. Levanta tus manos. Fais juste lever tes mains. Yo te invito a que te ponga en pie. Je t'invite à pouvoir te mettre debout. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Et on va prier pour toi ce matin. Yo sé que el Señor quiere hacer cosas grandes. Et je sais que Dieu va faire des choses miraculeuses. Et si tu quieres venir aquí, viene, si no te queda ahí. Si tu veux rester sur place, tu peux rester sur place. Si tu veux avancer, avance. Pero yo quiero orar al Dios del cielo. Mais je veux prier. A Dios que hizo los cielos y la tierra. Au Dieu qui a fait le ciel et la terre. Al Dios que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo.
au Dieu qui a envoyé son fils Jésus sur la terre. A dar su vida pour donner sa pour vie nosotros. Pour nous. Et je invite à Fofi, vamos orar. Et on va prier avec Pasteur Fofi. On va inviter Pasteur Fofi à prier aussi. Cierra tus ojos, por favor. Alors, on va juste fermer nos yeux. No es necesario ponerle la mano a todos encima. On n'a pas besoin de poser les mains à tout le monde. Ahí mismo donde tú estás. Là où tu es. Recibe la presencia de Dios. Reçois la présence de Dieu. Recibe el poder de Jesús. Reçois la puissance de Dieu. Y va a ser libre. Et tu vas être libre. Y va a ser sano. Et tu vas être guéri. La victoria es tuya. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Fortalécete en el Señor. Fortifie-toi dans le Seigneur. Y vas recibir en esta mañana. Et tu vas recevoir lo ce matin. Lo que tú le has estado pidiendo a Dios por mucho tiempo. Tout ce que tu as demandé à en Dieu esta pour mañana, recíbelo por fe. Reçois-le par la foi. Abre los ojos espirituales. Ouvre tes yeux spirituels. Y tú verás. Et tu vas voir. Que en esta mañana. Que ce matin. La cadena son rota. Les chaînes vont tomber. La muralla se cae. Les murailles vont tomber. Y el enemigo tiene que huir. Et l'ennemi doit s'enfuir. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amado Dios. Merveilleux Dieu. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Yo pido. Je demande. Que en esta mañana. Que ce matin. Cada hermano. Chaque personne ici présente. Que tiene una necesidad. Qui a besoin de quelque chose. Ahora empiece a obrar en su vida. Commence à œuvrer dans leur en vie. Su mente. Dans sa pensée, en su corazón, dans son cœur, il reçoit maintenant un toque de poder, une touche du Seigneur, un toque de poder, une touche, Espíritu Santo, Esprit Saint, Espíritu Santo, Esprit Saint, manifiéstate ahora, manifeste-toi ce el matin, poder de Jesucristo, que le pouvoir de Jésus se manifieste en cada vida, puisse se manifester dans chaque vie, dando un toque de poder, donne-nous une touche de libération, de ta libération, sanidad. En el nombre de Jesús, de guérison, dans le nom de Jésus, declaro la palabra de poder, je déclare la palabra de victoria, en el nombre de Jesús, dans le nom de Jésus, en el nombre de Jesús, dans le nom de Jésus, declaro poder, je déclare la victoria, je déclare la sanidad, je déclare la guérison, la gloria libération, se manifiesta ahora, que puisse se manifester dans le nom de Jésus, en el nombre de Jesús, dans le nom de Jésus, ahora Jesús. Manifiesta tu presencia. Manifeste toca ta puissance. Los corazones. Touche les cœurs. Sana toda enfermedad. Touche, Seigneur, toda dolencia. Et guérit. Toda obra de la tiniebla. Toutes les œuvres de l'ennemi fuera en el nombre de ont Jesús. Été chassées dans le nom de Padre, Jésus. Padre, manifiesta tu presencia. Manifeste ta présence. Tu poder. Manifeste ta puissance. Declaro victoria. Je déclare la victoire. Victoria je déclare la victoire dans le nom declaro de Jésus. Sanidad divina. Je déclare la guérison divine de dans le nom de Jésus. Declaro que tu je déclare, Seigneur, que ta présence echa fuera todo temor, enlever toute toda enfermedad toute dans le nom de en Jésus. En el nombre de Jesús. Declaro esta iglesia je en déclare victoria. Que cette église declaro est victorieuse. Esta iglesia je déclare que cette église declaro est victorieuse. Esta iglesia en victoria. Je déclare una que cette église dinámica. Est victorieuse. Una iglesia. Une église en feu. Una iglesia con fuego de Dios. Une église en feu Aleluya. De Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Y a su nombre. Et à son nom. Y a su nombre. Et à son nom. ¿Quién vive? C'est qui vit? Que el Señor le bendiga. Dieu vous bénisse. Gracias.